Merci Jean-Claude. 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 Bienvenue dans la Tech Room, émission dédiée au décodage du numérique pour les dirigeants de l'UPE 13. Nous allons parler aujourd'hui de cloud. Pourquoi parler de cloud? Parce que sur le marché de la technologie en France, marché qui pèse 14 milliards, le cloud est de loin le moteur le plus dynamique, le moteur qui draine toute la transformation numérique. Le cloud, en un mot, qu'est-ce que c'est? C'est le moteur de la troisième révolution industrielle. Là où auparavant on parlait de vapeur et d'électricité, aujourd'hui, le cloud est l'énergie qui est derrière un très grand nombre, si j'ose dire, toutes nos applications, qu'elles soient celles qu'on utilise au quotidien, comme Twitter, LinkedIn, Facebook, ou Office 365, ou encore Azure, Amazon Web Services, ou bien sûr OVH, Unitel et Jaguar Network, on en parlera aujourd'hui bien plus en détail. Le cloud, quel grand avantage? Eh bien, c'est une forme d'externalisation finalement de son informatique. Une capacité finalement à avoir plus de sécurité, plus de puissance, avec un niveau de sécurité et, nous le verrons plus en détail, un coût peut-être plus modéré. Ça, ce sont les avantages du cloud. Mais le cloud vient avec un certain nombre de questions. Où sont mes données? Où sont mes données? Est-ce que ma sécurité est aussi garantie que ce que je peux le penser? Voilà quelques-unes des questions que nous allons nous poser aujourd'hui. Nous nous concentrerons sur le cloud d'infrastructure, c'est-à-dire le cloud qui consiste à faire migrer ses applications historiques dans une entreprise sur un cloud public ou hybride. Mais avant cela, nous allons commencer par le QCC avec Stéphanie qui va nous décoder les grands termes du cloud. Bonjour Stéphanie. Bonjour Thomas, bonjour Diane, bonjour Benjamin, ravi de partager ce plateau avec vous. Donc effectivement, le qu'est-ce que c'est? On va parler IaaS, on va parler SaaS, PaaS et DaaS. Donc effectivement, c'est un langage un petit peu perturbant, mais sachez qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'optimisation des coûts en priorité d'externalisation dont on va parler concernant le cloud computing. Donc dans le cloud computing, il existe 4 composants donc, que je viens de vous citer, qu'on va détailler, notamment donc le IaaS, qui est une infrastructure as a service, donc en français, infrastructure en tant que service. Donc c'est mettre à disposition des ressources informatiques en ligne, en les hébergeant sur des environnements virtuels, bien évidemment, pour être plus précise. Un fournisseur X héberge les serveurs et les ressources des autres sociétés. Donc dans l'IaaS, on en parlera tout à l'heure, effectivement il y a du IaaS public, privé et de l'hybride bien évidemment, en fonction des besoins des entreprises. Ensuite, nous allons parler donc PaaS, qui est une plateforme. Donc, c'est une plateforme en tant que service. Donc, le PaaS combine les serveurs, le stockage et l'infrastructure réseau avec les logiciels dont les entreprises ont besoin pour déployer tout simplement leurs applications. Avec le PaaS, on n'a plus besoin d'investir dans du matériel, bien évidemment, sur site, ni de se soucier de la mise en place des environnements virtuels pour gérer nos applications. Aujourd'hui, quelques chiffres, on nous parle d'ici 2023 que 85% des entreprises devraient être équipées sur l'un des composants dont on vient de citer au niveau du cloud computing. Enfin, la solution la plus connue, le SaaS. Donc le SaaS, Software as a Service in Solution. Donc quelques exemples que nous connaissons tous. Salesforce, qui va bientôt s'installer dans la région, soit sur Aix, soit sur Marseille. Donc, on en parlera aussi après dans les exemples régionaux. Microsoft, bien sûr, Oracle, présent dans la région, et IBM. Donc, ce sont des solutions 100% intégrées qui, grâce à un abonnement, on va pouvoir utiliser des applications. Donc, l'idéal pour les entreprises sur des solutions de logiciels, donc notamment sur du financement, sur du marketing, qui vont pouvoir, bien évidemment, être beaucoup plus performantes et qui vont être beaucoup plus rentables pour une entreprise à aujourd'hui. Et puis, on a le DaaS, enfin, Data as a Service, donc, qui est tout simplement, elle, une technique consistant à faire payer un abonnement pour l'accès à un dépôt de données via une interface fournie par le fournisseur. Je tiens à préciser qu'effectivement, toutes ces solutions sont quand même abordables à aujourd'hui pour les entreprises. On va parler, bien évidemment, de Jaguar Network sur le plateau, mais il y a aussi des solutions pour les plus petites entreprises. Je pense au Workplace Hub de Konica Minolta aussi, qui propose un cloud plutôt hybride. Donc, si besoin d'informations, bah, soit vous revenez vers nous, soit vous allez sur Internet ou vous les contactez directement. Ils sont dans la région, Aix-en-Provence, et c'est pour les plus petites entreprises, plutôt les TPE. Voilà.
Merci pour ce décodage, Stéphanie, de Made in Soft sur le IaaS, Infrastructure as a Service, le PaaS, plateforme pour les développeurs, le SaaS qu'on connaît mieux, hein, sont les applications qu'on utilise au quotidien, et le DaaS pour le service. Je me tourne, pour la data, pardon, je me tourne à présent vers Diane, la directrice générale de la French Tech ex-Marseille, vers Benjamin de Jaguar Networks. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais laisser la main à Diane ici pour planter un petit peu le décor avec Jaguar Network et parler des références de Jaguar Network, du témoignage de Jaguar Network sur ces entreprises qui, localement ou nationalement, utilisent vos services. Pourquoi, comment, à quel coût, pour quel niveau de sécurité? Diane, je te laisse la main. Merci Thomas, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Marseille dans le top 10 des hubs mondiaux grâce au câble qui la relie au monde, surtout à l'Europe, l'Afrique, l'Asie et le Moyen-Orient. Donc pour nous, c'était très important d'avoir une entreprise locale qui nous explique un peu ce qu'est le cloud. Si j'ai bien compris, vous faites du IaaS et du PaaS. Tout à fait. Donc Benjamin, est-ce que tu peux nous décrire un peu l'activité de Jaguar Network? Oui, avec plaisir. Donc effectivement, Jaguar Network, nous sommes une entreprise française, filiale dédiée aux entreprises du groupe Iliad. Et notre métier, c'est de fournir aux entreprises des services télécoms et des solutions d'hébergement pour leur permettre de pouvoir externaliser et sécuriser leurs données. Parfait. Donc le cloud, on l'a compris, c'est une vraie opportunité pour les entreprises pour se développer. C'est hyper important pour elles. Il y a une étude là, de France Nup qui montre que 85% des dirigeants connaissent le cloud, mais seulement 38% font appel au cloud. Est-ce que tu peux nous dire un peu l'intérêt pour un dirigeant qui a des applications de faire appel en fait à vos services? Bien sûr. Donc effectivement, pour resituer un peu le sujet, le cloud est un service qui se met au service d'un sujet un petit peu plus important, je dirais, c'est la donnée informatique. Aujourd'hui, la donnée informatique, c'est crucial dans l'entreprise puisque c'est ce qui fait le lien vers l'appareil de production. Donc la disponibilité de cette donnée et la capacité à pouvoir y accéder en temps réel et de manière hyper sécurisée sont un enjeu important pour l'entreprise parce que la prod en dépend. Donc, si on fait un focus sur le cloud, on va pouvoir trouver plusieurs bénéfices pour l'entreprise, quelle qu'elle soit, petite ou grande. Déjà, on va s'affranchir de tout ce qui est gestion de l'infrastructure technique. Je suis une petite entreprise, j'ai peu ou pas de ressources compétentes en interne. Je vais être capable d'aller consommer du cloud, qui est une solution clé en main, en fonction des spécifications qui vont m'être données par mes éditeurs de logiciels, par exemple. Pour les grandes entreprises, l'approche va être un petit peu différente. L'approche du cloud va permettre de pouvoir, je dirais, s'affranchir de tâches à faible valeur ajoutée, qui va être justement la gestion matérielle ou la gestion des systèmes d'exploitation pour recentrer mes équipes techniques sur les besoins et les enjeux métiers. Donc ça, c'est effectivement un premier bénéfice qu'on va pouvoir retrouver dans le cloud. L'autre bénéfice, ça va être tout ce qui va toucher autour de la sécurité, de la disponibilité, de la conformité. La sécurité, effectivement, le cloud, par définition, vu qu'on s'appuie sur une multitude de serveurs mutualisés pour plusieurs clients, il y a une résilience, déjà, je dirais, native dans le service. Ensuite, on va pouvoir déployer différents types d'architecture qui vont permettre de pouvoir sécuriser d'autant plus nos applications critiques, comme par exemple du PRA, du plan de reprise d'activité, ou du PCA, du plan de continuité d'activité, qui vont permettre à une entreprise de pouvoir redémarrer son activité en cas de sinistre. On va retrouver aussi tout un catalogue d'offres autour de la cybersécurité, qui est un enjeu majeur aujourd'hui, puisqu'autour du cloud, on va retrouver, je dirais, plusieurs offres de services qui permettent de pouvoir, je dirais, réagir et protéger ces données en cas d'attaque. Aujourd'hui, la question n'est pas de se demander, n'est pas de se dire « je me ferai jamais attaquer », c'est « quand je me ferai attaquer, comment est-ce que je vais protéger mes données ?» Et enfin, la conformité, puisqu'effectivement, aujourd'hui, le cloud peut porter un certain nombre de certifications, d'accord, qui sont des normes internationales, qui peuvent être et souvent et de plus en plus demandées par les clients de nos clients. Donc on peut parler de la norme ISO 27001 par exemple, hein, sur la protection des données, ou la norme hébergement de données de santé pour les entreprises qui travaillent dans le secteur. Et ça, le cloud est capable de l'apporter nativement. Alors pas tous les clouds, hein, bien entendu, mais un certain nombre, de pouvoir apporter effectivement cette certification, cette conformité par rapport aux attentes de nos clients.
On va parler évolutivité pardon, et performance, puisqu'effectivement, l'apport du cloud, c'est de pouvoir, je dirais, consommer à la demande de la ressource. Donc, je peux aussi caler ma consommation en fonction de la saisonnalité de mon activité. Je travaille dans le retail et j'ai des soldes. Je vais avoir la capacité à déployer plus rapidement et plus vite de l'infrastructure supplémentaire et la réduire a posteriori lorsque la période est passée. Donc un vrai gain financier sur la gestion de mon infrastructure. Et enfin, on va retrouver aussi un intérêt autour de la stratégie financière, puisqu'aujourd'hui le cloud fonctionne sous forme d'OPEX, donc d'abonnement mensuel, d'accord, versus, je dirais, l'acquisition ou l'investissement autour d'infrastructures qui, eux, consomment du CAPEX. Donc, en fonction des entreprises, évoluer aussi sur le cloud donne, on va dire, plus de latitude financière en fonction du modèle économique qui est le sien. Super. Merci Benjamin. Donc on se rend compte vraiment que Jaguar Network s'adapte à tout type d'entreprise et surtout à tout secteur d'activité. Tu le disais, Jaguar Network est une entreprise française. Actuellement, le marché du cloud est détenu par trois grands GAFAM, donc Amazon, Microsoft et Google. Oui. Souvent, c'est perçu, souvent ces GAFAM, donc ces clouds américains, internationaux, comme plus sécurisés, moins chers. Quelle est toi ta vision du cloud français? Pourquoi faire appel à une solution française plutôt qu'internationale? Bien sûr. Alors déjà, effectivement, il va y avoir un premier sujet, je dirais, au fonctionnement en fonction de la nationalité de l'entreprise qui va fournir le cloud. Hein, donc, pour parler effectivement des ce qu'on appelle les hyperscales, hein, donc les majeurs que sont Google, Amazon et Azure, Microsoft Azure, qui sont donc des entreprises américaines, il y a déjà la notion de protection de la donnée. Aujourd'hui, seule une entreprise européenne peut garantir la protection des données personnelles sous le régime de la fameuse RGPD, hein, donc la règle de la Commission européenne pour justement protéger les données personnelles et leur circulation. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une entreprise américaine, l'administration américaine peut saisir des données à la simple demande auprès d'une autre entreprise américaine où qu'elle soit située. Donc il y a déjà, on va dire, cette première notion-là. Ensuite, sur la notion de sécurité, aujourd'hui, on a de vraies réponses. Hein. Les clouds français affichent des solutions et des sécurités tout à fait équivalentes à celles des GAFAM. Et je dirais, quand on travaille aussi sur ce qu'on appelle des services managés, donc des services d'exploitation, la proximité des équipes est aussi un point important pour nos clients, puisqu'on va toucher encore une fois au cœur du sujet, au cœur du réacteur de l'entreprise. Donc ce seront, je dirais, les principales raisons de s'appuyer sur un opérateur français. Et je dirais que il faut aussi réfléchir, le cloud aujourd'hui est tout à fait capable et tout à fait natif de pouvoir faire ce qu'on appelle du multi-cloud. Mmh. C'est-à-dire, j'ai des besoins sur un certain nombre d'environnements que j'ai besoin de protéger dans un environnement français. J'ai besoin de pouvoir déployer des services sur une autre plateforme, une autre zone géographique. Je suis capable de pouvoir le faire au travers, par exemple, d'un hyperscale et de pouvoir faire interconnecter ça nativement avec mes infrastructures qui sont en France pour justement ce jeu de données-là et être capable de répondre à mes enjeux métiers. Super, merci Benjamin. Et concrètement, on a des dirigeants qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de boîtes ici en local qui sont passées au cloud et avec vous? On peut parler de différents types d'entreprises, hein, puisque, comme tu le disais tout à l'heure, on couvre différents secteurs d'activité. On peut parler, par exemple, de mutuelles, hein, par exemple, comme Solimut, qui est un acteur local, hein, sur le métier de la mutuelle. Donc, 65 agences, hein, au niveau national. Aujourd'hui, ils ont fait le choix de passer chez Jaguar Network l'ensemble de leur environnement de production. D'accord? Et leur plan de reprise d'activité également, donc situé sur une autre zone géographique et également opéré par Jaguar Network, ce qui leur permet typiquement d'avoir la capacité à déclencher un plan de reprise d'activité 10 fois plus vite que ce qu'ils pouvaient faire avant, quand ils géraient ça en interne, et d'avoir un taux de rafraîchissement des données qui a été multiplié par 4, c'est-à-dire que mes données sont 4 fois plus répliquées entre ma prod et mon PRA
que ce que ça pouvait être avant. Donc ça peut être un premier exemple. Après, je peux parler d'un autre acteur, un gros acteur régional qui est le leader français sur la logistique, qui a fait le choix de rejoindre Jaguar sur donc une plateforme de IaaS avec la délégation à Jaguar de la gestion de toute la partie infrastructure et également de la partie gestion des systèmes d'exploitation, ce qui leur permet aujourd'hui de pouvoir afficher des taux de disponibilité et une architecture qui permet de perdre aucune donnée. Donc on est dans une approche de PCA, de plan de continuité d'activité. Donc la donnée est répliquée en temps réel entre les différentes zones où sont déployées les architectures du client, de pouvoir fonctionner aussi d'un point de vue financier à l'unité d'œuvre. C'est-à-dire que je peux très facilement, quand j'ai un nouveau projet, en calculer le coût, le ROI, et pouvoir le déployer nativement et naturellement. Super. Ben merci beaucoup, Benjamin, pour ces éclairages hyper, hyper précieux. Avec plaisir. Merci. Merci, Diane et Benjamin. Je me tourne vers Stéphanie pour un mot d'actualité. Nous sommes une région très attractive sur les événements. Quelques événements importants avant la fin de l'année. Donc, je pense un des plus importants, c'est le Grand Bain le 10 novembre. Quant à nous, nous avons effectivement le 9-10 novembre, deux jours, sur le référencement naturel chez The Camp, donc sur un sujet qui s'appelle aussi SAS, mais pas SAS, mais SAS. Le 15 novembre, le FIDEMED, donc je vous rappelle la journée du financement par l'innovation et l'equity. Également sur Aix-en-Provence avec des jolies startups qui vont faire des levées de fonds également. Et puis le 29 novembre, à l'école de la deuxième chance, les forums Made in Job 4.0 cette fois-ci, auxquels nous aurons la chance de participer avec plus de 150 entreprises. Donc voilà, une actualité sur ce territoire qui est toujours fortement intéressante, auquel il est important d'être curieux et de regarder ce qui s'y passe. J'oublie le 24 novembre, Salesforce qui organise une journée au Parc Chanot. Et le 24 novembre au soir, également très important, les femmes engagées sur le numérique et sur ce territoire. Voilà Thomas. Que faut-il retenir de cet épisode Tech Room sur le cloud ? Eh bien, moteur de l'économie numérique, véritable moteur de l'économie numérique, le cloud est clairement un choix aujourd'hui à se poser pour votre entreprise, que ce soit pour l'externalisation de certaines de vos applications que vous voulez plus robustes et moins coûteuses, ou que ce soit pour des applications que vous allez directement chercher dans le cloud en tant que service consommable par abonnement. Est-il plus puissant ? Oui. Plus élastique ? Oui. Est-il plus sécurisé ? Souvent oui. Est-il plus respectueux de votre vie privée ? Oui et non. À vous de choisir effectivement la localisation de l'hébergement de vos données. J'espère que cet épisode vous a été utile, notamment avec le témoignage de Jaguar Network, acteur local, acteur français et européen de cloud souverain. Merci à tous. À très bientôt sur la Tech Room.